بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice numéro 6 sur le cours de l'étude analytique de la droite dans le plan niveau tronc commun l'année scolaire 2020-2021. Soit les deux vecteurs U de coordonnées T-7, 4-M et V de coordonnées 3T et M+1. Calculez M et T tel que le vecteur U est égal à 2 fois le vecteur V. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez chercher M et T. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on commence notre réponse ensemble. Réponse. Calculons M et T. Donc, on nous a dit que le vecteur U est égal à 2 fois le vecteur V. Ces deux vecteurs sont égaux. Je parle du vecteur U et du vecteur 2V. Sont égaux, donc ils ont la même abscisse et la même ordonnée. Donc, je vais chercher les coordonnées du vecteur 2V. On a le vecteur V qui a pour coordonnées 3T et M plus 1. Donc, 2V, il a pour coordonnées 2 fois 3T et 2 facteurs de M plus 1. C'est-à-dire, le vecteur 2V a pour coordonnées 6T et 2M plus 2. Et comme le vecteur U est égal à 2 fois le vecteur V, et le vecteur U a pour coordonnées T moins 7 et 4 moins M, n'est-ce pas? Donc, bien alors, alors, 6t que vous avez ici est égal à t moins 7. Et 2m plus 2 est égal à 4 moins m. Je répète, deux vecteurs sont égaux, ils ont les mêmes coordonnées. Autrement dit, ils ont la même abscisse et la même ordonnée. Alors, je vais écrire 6t est égal à t moins 7 et 2m plus 2 est égal à 4 moins m. J'ai deux équations à résoudre. L'une a pour inconnu t, l'autre a pour inconnu m. Ça, c'est moi. Donc, ça donne... Donc, je vais écrire, c'est-à-dire 6t moins t est égal à moins 7. Et 2m plus m est égal à 4 moins 2. C'est-à-dire 5t est égal à moins 7. Et 3m est égal à 2. C'est-à-dire, t est égal à moins 7 sur 5. Voici la première valeur. Et m est égal à 2 tiers, la deuxième valeur que je cherche. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun, Marrakech. À très bientôt.